Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi et bienvenue pour la suite, le premier procès de cet épisode 2, le boulevard des Volteface sur Ace Attorney Apollo Justice. Résumé rapide de l'heure et demie, que j'ai retourné une deuxième fois, parce que la première fois il y a eu un problème de micro, c'est génial. Nous avons donc été appelés par notre ami Phoenix Wright qui s'est blessé après un carambolage avec une voiture. Nous avons aussi eu droit à un mec random, Jean Nouille, qui nous a dit OMG, il y a mon stand de nouilles qui s'est fait embarquer, retrouve la personne qui a fait ça, retrouve mon stand de nouilles. Vérité, qui nous a demandé de retrouver sa culotte magique, que nous avons retrouvée. Et nous avons aussi appris l'existence d'une affaire un peu plus importante. Un meurtre a été commis dans un parc pas loin de là où notre ami Phoenix Wright s'est fait renverser, mais là où nous avons retrouvé le stand de nouilles. Et nous avons trouvé une ancienne protagoniste de Phoenix Wright, Emma Skye, la légiste scientifique, tout ce que tu veux, qui va nous aider dans cette affaire, je pense. Première affaire. Enfin, première partie du tribunal, plutôt. C'est parti. Si j'appuie sur le bouton, ça ira mieux. Willy Kitaki. C'est vrai que il s'appelle Willy. Ah, oh, c'est Conrad. Oh ouais. Conrad. C'est le Prince. Yeah. Il s'appelle Prince. Fuck yeah. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, cet incident. Quel est l'incident? Oh, c'est beau. Oh là là là. Oh, ce mégalomane musicos de rock. Oh, et en plus, il m'insulte de morveux. Mais c'est pas très gentil. Wow, c'est beau. C'est beau, mon petit Conrad. Conrad, pas Gavin, Conrad. Oui. Oula. Alors, je crois que lui a une gimmick. Il me semble qu'il a une gimmick, il fait du air guitare. Il me semble qu'il fait du air guitare. Ah non. Alors, il a un thème très sympa, par contre ça fait ramer l'émulateur. C'est dégueulasse, mais il me semble qu'il fait du air guitare à un moment. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou s'il y a un autre moment, je ne sais pas. Paul, ah le petit Paul. Par combien, un stand à nouilles, oui. Il voulait manger. Peut-être qu'il voulait manger. Écoute, on ne sait pas. Moi, des fois, ça m'arrive de manger à des heures incongrues. Bah oui, quel témoin d'ailleurs. Je n'en ai jamais entendu parler. J'aimerais bien avoir. Oh, toute l'animation de air guitar. Je savais bien qu'il y a un moment il faisait du air guitar. J'avoue quand même que c'est classe. Mais. Waouh! Ah, c'est une bonne question. Ah ah! C'est moi qui dois poser cette question plutôt. D'ailleurs. Quoi? Mais il est con ce gamin. Mais ça a trop du cul ce gamin. Le bon plan, ouais. Eh ben allons-y, Willy. Le petit Willy. C'est ça.
Bah, il veut aller en prison. C'est ce qu'il demande. Il est inconscient, mais c'est ce qu'il demande. Alors, la déposition, la vérité, entre guillemets. La dose, à la bonne dose. J'étais dans sa clinique il y a 6 mois. Il a planté mon opération. Quelle opération? Je peux rien en tirer. Genre. Rien du tout. Y a rien du tout. Y a rien du tout. C'est à moins que. S'il y a peut-être une phrase que je pourrais en tirer. Si je peux en tirer quelque chose, évidemment. Ce qui est mal barré. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Allez. Contre-interrogatoire, parce que j'ai pas le choix. Un charlatan, putain, je suis charlatan. Ah, ça rame du cul. Ça rame un peu du cul, je m'en excuse. Waouh, attends, 2008 le jeu? Ah oui, oula. 2008 ou 2007? Ah, 12. Alors, doser un truc, je sais quoi. Je sais, mais lui, le doser. Par vous, on peut pas. Waouh, mais tu charges vraiment la mer. Chef, ah non. Ah, voilà, c'était ça. Ça, par contre, c'est intéressant. Pour une question d'honneur. Oui, bah, ça veut rien dire. Il y a une embrouille avec la famille Rivaux. Lol. Ouais. Yeah. Ouais. Ah. Ça, par contre. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Là, ça aurait été un doigt du cœur. Ouais. C'est-à-dire que t'as toujours une balle dans le cœur? Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Un mec qui se prend une balle et qui la garde. Ça me dit quelque chose. Oui, doute. Non, ah, pas du tout. D'ailleurs, ce mot n'existe plus. Il y a des mots qui n'existent plus. Je me prends un sacré coup de vieux dans la gueule. 10 ans de mots. C'est chaud. Encore gangsta, ça reste. Parce qu'il y a le manga gangsta que je n'ai pas lu encore. Oui, c'est ta chanson ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était pas un accident? Ouais. Ah, je ne sais pas. Tiens, un truc qu'on m'a pas dit. Ouais, t'es un peu con, toi. Ah, bah tiens. Ça, c'est marrant de me dire ça maintenant. C'est fou, ça. Bah, si. Ah! Un truc qu'on m'a pas donné, pardon. Le micro qui touche les vêtements, c'est génial. Un truc que je ne savais pas.
Attends, parce qu'il y a des trucs que je voudrais voir. Ça, je m'en fous. Ça. Alors, résultat d'un bilan pratiqué en juin, fragment de métal trouvé près du cœur. Alors, notre patient Willy. 14 juin, fragment de métal trouvé près du cœur, excusez-moi, urgent. Waouh, ça m'aide pas. Ah, et il se marre. Why not? Ah, faisons un petit saut de guitare. Yes. Ah, très sûrement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette... Oula, ça sent une caricature. Laquelle? Edgar Tatillon. Ouh, oh, putain. Oui, ton activité principale. Tout à fait. J'ai tout compris. C'est toi si tu as compris ma réponse bleue. Super important. Wow. Oui, c'est génial. Ta vie est géniale. Oh. J'ai envie de dire que j'en ris beaucoup. Voilà. C'est un nom qui veut tout dire par contre. Hein. Je le sens superbement bien. En tout cas, j'ai vu. Question par simpliste. Pendant une... Ok. Oui, pour vous. C'est super intéressant. Très intéressant même. Les cours, je te resterai pas, je les ai vus tous les deux. Ok, un homme qui rend un autre face à lui. Je les ai très bien vus. L'accusé était l'homme en face de la victime. Oui, sa main il tenait un pistolet pointé vers l'homme qui tenait. Oui, je crois que tu t'es trompé. Oui, je crois même que tu t'es trompé. Je crois que tu dis de la merde. Mesure d'affirmer, oui, avec 100% d'affirmer. Très sûrement. Mais tu t'es trompé. Yes, trop bien. J'aime la... Oui. Seconde, je regarde... Arme laissée par une grille, deux balles tirées, empreinte essuyée. Alors, regarde un petit peu cette arme pendant qu'il y a une musique. C'est une arme classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Au-dessus, rien de bien ouf. Et en dessous. Ah, en dessous. Ok. Très bien. Comme l'air normal. Allons-y. Contre-interrogatoire, ça va être rapide parce qu'il y a un problème. Vérité, oui. Oui. Mais. Ah bah tiens. Tu veux dire que tu l'as déjà vu ? Une nuit dans le parc. Non mais je vais présenter une preuve. Je sais exactement ce qui m'a pas. Et je pense que vous aussi, vous devez le savoir, parce que c'était très rapide. Et je pense que c'est facile. La balle touche l'homme qui tire à l'instant au milieu du front. Ah là. C'est sympa, t'as une chance. Oui. Ah, oui, je pointe le doigt. Ah,
Ah bah oui, ah bah complètement. Complètement. Mais dans le témoignage. Il n'y a que moi qui est. Oui, me semble. Bah bah oui. Pardon. Ah. C'est très simple, vraiment. D'accord. Je peux passer, s'il vous plaît. Ferme ta gueule. Est-ce qu'il peut fermer sa gueule? Oui. Non, absolument pas en fait. Alors, nous sommes d'accord sur une chose. La tempe droite. Sur le côté. Alors que lui, c'est de face. L'assurance de cet homme. Incroyable. Assurance. Objection! Oh mon dieu! Quelle objection! Oui, oui, c'est moi. Des huettes. Des broutilles. Eh? Alors, bah oui. Oh, il va pleurer. Oh là là. Oui. Et donc. Eh bien, rien, parce qu'il fait nuit. Aussi. Stop. Ne t'arrête pas, Jean-Albi, je suis aussi là. Elle, eh ben, je pense qu'elle va faire des trucs. Hein? Ah mais c'est trop simple. Ah bah non. Eh, c'est pas cool. J'ai eu dur, j'étais sûr, j'interviens. Eh, c'est... Avec beaucoup de sang. Ouais. La victime se tourna. Ouais. Tombe droit. Ouais, non, c'est ça, c'est... pour l'instant ça se tient. Ça se tient, hein, mais c'est un peu chiant. Alors, t'as tiré, c'était mieux beau, c'est trop bon. Ok. Alors, ouais. Ouais, ça se tient, ouais. On rit beaucoup. Oui, ça, je n'aime pas ce nom, c'est nul. Alors, trouver ce qui ne va pas. Dès que je vais tuer, ajuster son tir, ouais. D'accord, la victime se tourne en direction de la voie. Le coup part. C'est pas gentil de dire que Willy est un peureux. Même si ça me fait marrer. Oui.
ça, tu vois, c'est intéressant. Ah, c'est tellement intéressant que c'est un RAM d'émulateur, c'est bien. Oui. Et... Oh. Oh. Je suis en train de réfléchir. Non mais je sais ce qu'il y a. Mardi, évident. C'était évident. C'est évident. Je sais ce qui va pas. Yes. Évidemment. C'est logique. Logique ça. Ah bah, hé. Hey. Oh. Hé, hey, tu me parles. Hé, hey, tu me parles pas comme ça. Oh. Pas gentil. Oui, ah bah j'ai dit. Oh, c'est quoi une seconde? Unité de temps, vas-y, digresse. Graisse. Oui. Ah, il faut que j'explique. Oui. Ah mais vous m'énervez tous avec cette unité de temps. Regarde ce pistolet. Oh là là. Oh tu m'ennuies. Ah merci. Sbler. Oh là c'est libre. C'est pas ce qui tourne. Si tu es petite. Tu es... Tu es de taille... De taille. Oh, c'est pas con. C'est une... C'est la phrase facile. C'est tellement facile de me sortir ça. Ah bah non. Attends, attends, attends. Bah non. Absolument pas. Oui. Oui, tourne ta page, tourne deux pages. Quatre pages même. Oui. Alors nous. Ah bah oui, je viens d'intervenir parce qu'il y a un truc que personne ne sait mais que je sais. Fais des hockey, ça sert à rien. Bah oui. Louls. Ah, oh, mais tais-toi, mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ah, mais tu m'ennuies, tu m'ennuies. Oui, mais je veux parler. Moi, je veux parler. Oui, j'ai des trucs à dire. Personne m'écoute. Ah. Oui. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais me faire être buffé. Ah, merci de poser la question alors que la musique va ralentir comme un con. Le couteau qui comporte les empreintes de Winnie. Sachant que s'il avait porté des gants, il n'y aurait pas
d'empreinte sur ce couteau, enfin sur un. Logique. Un sabre. Non, c'est trop petit. Un sens diminué. Oui, non. Pas du tout. De l'accusé. Eh oui, c'est un. Oui. Tu écoutes super. Hein. Exactement. Oui. C'est-à-dire. Oui. Oui. Ah. Zut. Mince. Triste. Ah bah les gamins, ce sont des. Pas gentils. Ah mais je voudrais savoir moi aussi. Donc s'il pouvait me dire la vérité. Se trouvant sûrement dans son bouquin. Quoi? Supposer. Ah il faut... Je suppose que tu dis de la merde alors. Ouais, c'est ce que tu dis, oui. Exactement, putain, mais tu es très 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 fort. Donc j'aimerais que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Merci. Ah bon? Il n'a vu personne d'autre après. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien étrange ça. Même si j'ai pas beaucoup de choses. Pas beaucoup d'indices, ouais. Oui. Il y a même plein de trucs que j'ai envie de tout attaquer parce que c'est un peu con tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit me paraît étrange même. Par contre, si tu pouvais arrêter de planter l'éliminateur. Ok. Oui, sur moi, écoute. Fort, Conrad. Tu ne peux pas. Ah, tu ne pouvais pas. Mais dis-moi pourquoi. Wow. Incroyable. Bah non. Eh ben qu'elle vise hein, attention là je. Montre-moi ce téléphone. Ah. Alors, à 99%, il y a des très rares miraculés. Très 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 rares miraculés. Mais vas-y, mais dis quelque chose. Faire un truc toi. Ouais alors ça c'est ça tu vois je doute quand même. Je doute quand même que t'aies vu personne hein. Faut pas se mentir. Et c'est d'accord. Personne ne va. Ok. Ouais. On sait jamais hein des random gens coureurs. Tony. Mais dis quelque chose, toi. Ouais. Tu vas arrêter de m'appeler comme ça. Ouais, bah, pas le choix, j'ai rien. J'ai rien. Je ne sais pas.
Oui. Et sûrement, écoute. Alors j'ai beau réfléchir, je ne trouve pas. Mais pas gentil. Déjà fini? Waouh. Une demi-heure? Oh, c'est peu quand même. Mais tu vas arrêter de m'appeler grand fond, toi. Ah. Ah, twist. Ah mon Dieu! Un acte se passe. Rien à foutre, man. Les gangsters, ça a vu. Cette Joker, je reconnais cette phrase. Ouais. Oui, bah faites ce qu'il dit. À moins que c'est oui. Et disparaît ici. Waouh! La disparition était. Quoi? Bah oui, mais y est. Je vais faire quelque chose d'autre peut-être. Ah ouais, donc d'accord, c'était rapide. Eh ben, c'était rapide. C'était plus rapide. Je m'attendais à ce que ça dure au moins une bonne heure. Et finalement, non, une demi-heure, ça va. Ça va aller, je pense. Oui, ça. Je pense que ça va le faire. J'estime quand même que la deuxième partie va être un peu plus longue. Peut-être. Je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre témoin, monsieur Tatillon, qui va sans doute nous ennuyer de par ses digressions incroyables. Je n'ai pas encore trouvé son tic, mais je pense qu'on va le trouver soit dans le prochain épisode, soit peut-être à la fin dans le procès final, sûrement, je ne sais pas. Mais je pense que on va se retourner sur la scène du crime parce que ça m'étonnerait que ce soit terminé juste après. C'est très 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 étrange comme procès. Il y a une intensité particulièrement moyenne. Même si Conrad fait du air guitare. Et ça, c'est beau. Je le sens un peu charlatan, téméraire, un novice, quoi. Un vrai novice qui fait un peu ce qu'il veut et fils à papa. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser, mais si j'espère que la suite du procès va être un peu plus, va relever le niveau en fait. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode un peu plus court que d'habitude jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Comme d'habitude, tout ce qui est pouce vers le haut même, pouce vers le bas, pour le référencement, le petit commentaire évidemment si tu veux. Dans la description, il y a un Discord pour annoncer des fois l'avancement des vidéos. Il y a un Twitter où je suis présent la plupart du temps. Et pour ne pas rater la suite eh bien, du jeu, eh bien, appuyez sur le bouton de l'abonnement. C'est gratuit. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Ace Attorney Apollo Justice.